sur YouTube, y'a des gens sympas qui font des vidéos pour toi. Toutes leurs émissions, ils le font avec passion. Sur YouTube, y'a des gens sympas qui te soutiennent quoi qu'il arrive. Salut à tous les amis, bienvenue à la troisième nuit de Projet 01. Ça fait un bail, je sais. Mais on est parti pour au moins, je pense, une heure. Wow! Je vais vous laisser la cinématique. J'ai fait une bêtise de jouer ça la nuit là. Oui, parce que je joue la nuit, j'ai pas le temps d'enregistrer la journée. Donc là j'enregistre la nuit. Il est, allez, bon il est 22h30 chez moi, ça va. Ça va encore. Oh, des cordes aux jambes. Je vous rappelle que dans le précédent épisode, on avait des cordes aux bras. Cet endroit, je suis sûr que Mafuyu est passé par cette porte. Donc on se réveille ici. Donc on est dans la gueule du démon, c'est ça? Ouais, gueule du démon. Donc nous on a ouvert un passage ici, donc on va en profiter, on va y aller, hein. On va l'ouvrir. On va rentrer dedans, comme des kékés. Bon, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite à aller le voir. Alors déjà, est-ce que je sais plus? Ça fait tellement longtemps... Ah merde! Ça fait un petit moment déjà que je n'ai pas... Que je n'ai pas touché. Comment on rentre dans le menu déjà? Comment on rentre? Ah non, je sais plus comment on fait. Ah voilà, c'est triangle. Oulala là là. J'ai pas appuyé suffisamment fort sur le bouton. Donc qu'est-ce que j'allais faire? Je sais même plus ce que j'allais faire. Oui, donc j'allais voir avec l'appareil le type que j'utilise. Bon, je suis du type 14. Donc on va rester sur le 14 parce que c'est le plus facile à récupérer aussi. Et c'est le moins puissant. Et donc c'est le plus enclin à... Il y a un truc ici sur la gauche. Enclin à être dépensé. Ah, j'ai raté le truc. Comment je peux rater ça, quoi? Voilà. Donc là, ce que c'est bleu, c'est quand il y a quelque chose de... Munakata. Je sais pas ce que c'est. Donc on va avancer tranquillement. Wow! Calme-toi, calme-toi. Oh mon dieu, ils sont plusieurs. On va pas faire le kéké, on va utiliser des films un peu plus puissants. Donc on a 87 là, on va utiliser le 14. Le 74. Non, 37 plutôt, parce qu'on en a beaucoup. Wow! Là vous voyez quand même. Ah, ça fait du... Ça fait mal hein! Wouhou, ça fait mal! J'ai l'impression que celui de gauche il m'attaque là, non? Il y a un truc au loin derrière là-bas, faudra pas oublier d'aller récupérer. Allez, attaque-moi, Coco! Wow! Oh oh! Bon, ça va, ils sont pas très forts. Il faut savoir aussi que j'utilise des films assez puissants. Donc, ça explique pourquoi. Voilà. Oh merde, j'aurais pu attendre qu'il m'attaque pour utiliser le Fatal Frame, donc, ou le zéro. Voilà, normalement ça va être écrit à gauche. C'est pas écrit. Bon. Merci de me casser, Projet Zéro. Voilà, bah y'a plus rien. Donc on va remettre le film normal. Au cas où, parce que s'il y a des trucs rapides à prendre en photo, ou des trucs comme ça, en fait, ce sera plus intéressant d'utiliser les films pas très puissants. Oula, c'est en train de trembler là. Il y a quelque chose sur le plancher. Une plante médicinale, merci. On a combien de plantes médicinales? Putain, faut que je change ma manette parce que le bouton triangle galère un peu. C'est peut-être le nombre de fois où c'est tombé qui fait que... voilà. Donc 5. Ok. Ça fait pas beaucoup quand même. Hein. Ça fait pas beaucoup du tout. Et là, on a quoi? Une pierre spirituelle, merci. Le chemin est bloqué.
On dirait un rire du Jigsaw dans Saw. Ah, son frère, Mafuyu. J'ai dit avant toi. Don't you recognize me? Le plafond s'est effondré, bloquant le passage. Je vois à travers le fissure, mais je peux pas aller plus loin. Ok. Alors, déjà, je vais voir sur la carte où nous sommes. Pont des Enfers, puits de la Lune. Hein? Wow. Bah, du coup, on fait comment? D'accord, bon, bah... On va revenir en arrière, on va bien voir ce qui va se passer. Vous savez, dans Projet Zéro, en général, quand on est bloqué comme ça, il faut attendre en fait l'intervention d'un esprit. Il pourrait éventuellement nous indiquer la voie à suivre. On va remonter, hein. Ah, voilà, cinématique. Donc cinématique du jour de bon augure. Ah, la petite fille qu'on n'arrête pas de croiser depuis le début de l'aventure. Hein ? Un carnet ! Et la fille disparaît. Première chose qu'elle nous avait indiqué, c'était une porte cachée derrière une espèce de paravent. Il y a un livre qui semble appartenir au folkloriste à l'endroit où qu'indique la fille. Je commence à avoir soif. Sanctuaire de la Lune. Le petit sanctuaire dans l'atrium du manoir Imoro est le sanctuaire de la Lune. Les vierges sacrifiées y sont enchâssées lors des rituels. À l'intérieur du sanctuaire de la Lune se trouve un puits vide appelé le puits de la Lune. Le clair de lune brille au fond du puits de la Lune du rituel. La vierge du sanctuaire des cordes doit purifier son corps avec le clair de lune au fond du puits. Le fond du puits est relié... Putain, pourquoi répéter le fond du puits? Au sous-sol. D'accord, là où on est apparemment. Et seule la vierge utilise ce chemin pour s'y rendre. D'accord, donc faut repartir au... Ok, d'accord. Bon. Faut repartir au petit sanctuaire. D'après la légende, la première vierge des cordes fut enterrée dans le sanctuaire de la lune. Cependant, on ne trouva ni corps ni document en attestant. Je me demande si elle était enchâssée. Enchâssée, ça veut dire quoi? Emmurée? Ah! Je vais te battre, hein, je vais utiliser des petits trucs en plus. Elle vient de battre, Elle apparaît comme ça, elle. Ah, c'est le coup brisé. Youhou! Vas-y, badass, Stéphane, photographe professionnel. Viens filmer vos mariages. Pas vos enterrements, parce que sinon ça fait tuer les fantômes. J'ai dit n'importe quoi. Bon. Avançons encore un peu. Donc il faudrait peut-être éventuellement que l'on reparte au sanctuaire. Putain, le son est énorme. Et vous allez voir, vous allez revoir, hein, pour ceux qui ont déjà vu les épisodes précédents, à quel point Miku monte super vite les échelles. Elle est à son maximum là. En plus, si ça tremble. N'empêche, c'est énorme, hein, dans Projet Zéro, je me souvenais pas que ça tremblait à ce moment-là. Le premier chapitre, je me souviens bien. L'intro, je me souviens bien. Le rituel de la strangulation, je me souviens parfaitement comment c'est. Mais là, je commence à ne plus savoir ce qu'il faut faire. Je commence à perdre... Va plus vite que ça, Miku! Vous en faites pas, hein, je connais le chemin. Mais... Je trouve ça énorme parce que vous avez en 25 images par seconde parce que je crois que YouTube bride à... Non seulement YouTube nous fait chier avec les copyrights, mais en plus il nous bride ça à 25 images par seconde alors que je crois que Dailymotion, Vimeo et tout ça peuvent nous faire en 30 images par seconde. Ouais, type 14, merci. Donc 30 images par seconde, c'est un léger mieux que 25 images par seconde, mais le top, ce serait quand même de pouvoir nous laisser nos 50 images par seconde, voire nos 60 images par seconde. Là, ce serait top. What the fuck? Ah, où est-ce qu'il est derrière moi? Ah, putain, mais c'est quoi ce truc? J'ai jamais croisé cet ennemi. C'est quoi ce machin,
On a fait tiers zéro, mais vous avez entendu le bruit que ça a fait en, autour, avant. Heureusement, je me suis arrêté pour écouter. Purée. Là, j'ai vraiment flippé. J'ai vraiment, vraiment flippé, je vous jure. Bon. Avançons. Ah, la fameuse salle où un fantôme est apparu, alors que normalement, il n'y a rien qui apparaît dans les salles de sauvegarde, bordel de merde. Pourquoi avoir mis ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qui... La sauvegarde est là, vous voyez, donc en général, il n'y a rien dans les trucs de sauvegarde. C'est quoi ça? Un autre endroit est apparu sur la photo. C'est où ça déjà? Purée, c'est où? Vous voyez un truc détruit? Attends, je crois que ça me dit un truc. Ok. Bon ben, apparemment on peut pas passer par là et parce que, voilà, pour ceux qui savent pas, lorsqu'il y a un talisman, c'est bloqué, la porte est scellée. Donc, on peut que retourner en arrière et je pense savoir où ça se trouve. On va d'abord sauvegarder parce que je flippe à mort de mourir. Pendant la sauvegarde, j'ai reçu un coup de fil, donc du coup, je suis un peu perdu. Donc, je vais juste reprendre la photo. Parce que je me souviens pas du tout. Ok. D'accord. Regardez ça. C'est ça, non? C'est ça, en fait. Voilà. Ça vibre, là. C'est par ici. Le truc à prendre est par ici. Si tu sais pas ça... Si tu le sais pas, tu peux chercher pendant des heures. Voilà, je crois que c'est ça. C'est ça, non? Ça ressemble fortement, en tout cas. Par contre, je sais pas du tout où prendre la photo. Mais, c'est cette pièce-là. Voilà. Femme écrasée. Femme écrasée, voilà, c'est tout. Et ben voilà, mes amis. Wouhou. Le talisman a disparu. J'ai hyper chaud. Pas de fantôme, s'il vous plaît, pas de fantôme. Homme de l'atrium. Alors là, en fait, ce sont des... Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des fantômes qui apparaissent comme ça. Ils ne vous attaquent pas forcément. Ils vous donnent au contraire des points bonus. Pour améliorer l'appareil photo. Oh mon dieu! Il y a de l'éclair! Il y a de l'orage dans l'air, des éclairs! Rien là-bas? C'est énorme! L'ambiance sonore dans ce jeu est super. Il manque juste le fait que le truc aurait pu être en japonais. Parce que le doublage japonais est juste excellent. Je vous dis ça parce que j'ai joué au 4 et dans le 4, le doublage japonais est juste magnifique. De toute façon, ils ont toujours été bons. Ils ont toujours été bons. Ok, la porte est scellée. Ils ont toujours été bons dans le doublage, les japonais. Il n'y a qu'à voir les... Vous entendez ce bruit-là? C'est horrible. Les cordes sacrées sont... Ah, il y avait des cordes. Il y en a 4. Elles sont peut-être utilisées pour un rituel. Alors, je me souviens à peu près du truc. Vous voyez, il y a des Bouddhas. Et à chaque en fait partie du corps, vous avez un endroit cassé. Donc là, c'est le pied gauche, le pied droit. Et je pense qu'en face, ça doit être les bras. Parce qu'il y a les Bouddhas en face, oui. Ah non, même pas. Ah ben merde, je sais même pas comment... Il y a des pieux au pied des Bouddhas, dont le pied gauche est abîmé. Voilà, là c'est le pied gauche qui est abîmé. Non, je sais plus comment ça fonctionne le truc de la cérémonie. Ah, bouton triangle. Purée, ça, je vais vraiment changer ma manette. Alors, il n'y a pas le rituel de la strangulation là? D'accord. On ne dit pas... Alors, là on est dans le chapitre la calamité. Donc en l'année du 1800... D'accord. Je sais plus du tout comment qu'on fait. Purée, pour... dans quel ordre en fait? Hop.
Non, c'est pas là, je sais plus du tout. Ah non, 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 non. En fait, ce serait bien qu'ils nous disent, parce que je crois qu'il y a un ordre spécifique. Non, ça c'est les miroirs, on s'en fout des miroirs. Il y a un ordre spécifique en fait pour. C'est le masque, on s'en fout des masques. On s'en fout du masque. On s'en fout aussi. Alors, on va lire ça. Hein. Le petit sanctuaire dans l'atrium du manoir immoureux, le sanctuaire de la lune. Les vierges sacrifiées sont enchâssées. Ça, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, ça. C'est ce qu'on a lu. Ça, c'est ce qu'on lira après. Ok, je ne sais pas du tout dans quel sens... faire le... Excusez-moi. Faire le rituel. On va faire au pif, les amis, on va faire au pif. Hein? Alors là, toi, c'est quoi? La main gauche d'abîmée. Non. Allez, on va faire ici. Ouais. Ok, j'ai attaché là. Je vais attacher, allez, au hasard. Je vais attacher ici. D'accord. Ok, on commence bien là-bas alors. D'accord. Heureusement que c'est genre d'énigme. Ah d'accord, il s'est rien passé. Donc du coup, il faut que je fasse... Ah, bah ça va, c'est facile. D'accord. Donc c'est là-bas alors. Bah putain, heureusement que... Que je dois pas refaire à chaque fois depuis le début. Voilà. Donc dang, dang. Ensuite... Je vais essayer à côté parce que j'ai la flemme d'aller en face. Ah! Faut vraiment se mettre devant, quoi. Ok, d'accord. C'est en face. Purée! Attends. Ils font vraiment nous balader, hein. Voilà. Bon, c'est assez facile comme énigme. Enfin, c'est pas vraiment une énigme. Et c'est en face. Voilà. Désolé, j'ai un peu reniflé pendant le truc, mais... C'est pas que je suis malade, c'est qu'il fait chaud et... C'est chiant. Voilà. Là, il va se passer une grosse merde, je le sens. La porte de l'hôtel s'est ouverte. Ah, on va récupérer quelque chose. Par contre, ce bruit est chiant. Il y a quelque chose derrière l'hôtel. Une gravure verte. D'accord, je pense que ça c'est pour éventuellement ouvrir le sanctuaire donc de la lune qui se trouve, je crois, dans le jardin. Lui c'est le Imuro père. Gore. Je crois pas qu'il ait une épée aussi grande quand il est en fantôme. D'accord, il est en face de moi. Bon, on va pas trop faire le badass, on va mettre type 14 et on va le défoncer sa gueule. Wow. Hey, il est où? Wow! On va se barrer, on va se barrer. Il est violent, il se téléporte ce gars. Voilà, je vais l'attaquer direct. Oh, ça enlève bien sa vie. Ça enlève bien sa vie, c'est bien ça. Wow! 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 Non! Lâche-moi!
Ma vie. Wow, 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 wow. Vous savez ce qu'on va faire? Eh ouais, on va utiliser 74. Exceptionnellement, parce que c'est quand même un gros boss, je pense. Ah! Salopard, salopard, salopard! On va se barrer, on va se barrer! Wow, wow, wow! Je l'attaque direct parce que là. Je me gourde de bouton en fait, je me tourne au lieu de. Allez. On va quand même réutiliser encore une petite plante médicinale parce que j'ai trop peur de mourir bêtement là. Lâche-moi la grappe! Voilà. Ah! C'est bien d'avoir les points de vie indiqués en haut. Wouh! Bon. On sort d'ici, on se barre. On va remettre le type 14. Comme toujours. Et j'espère qu'on pourra repasser par ici. Parce que le jardin, donc ça se trouve hop, ici. C'est ça le sanctuaire lunaire. Mais comment tu sais, Stéphane? Ben j'ai fini le jeu une fois. Voilà. C'est comme ça. Attends, y a pas un truc ici? Non, y a rien. Ça, c'était au début du jeu qu'il y avait les objets par terre. Personne ne m'attaque, s'il vous plaît. Personne ne m'attaque. C'est le genre de truc qui te fait sursauter, ça. Alors, là, franchement, je sens que je vais galérer. Parce que plus ça avance, plus ça devient difficile, en fait. Non, c'était pas ça. Je pense pas que ce soit ce qu'il fallait faire. Plutôt ça. Voilà. Non. Parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Plutôt... Voilà. 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 Et voilà. Tada! Oh, c'est magique! Je suis trop bon! Je suis trop bon! Je me kiffe. Oh, ça fait un bail que je suis pas rentré dedans, moi. Je sais même plus ce que c'est. Je commence à avoir de la buée sur mes lunettes, là. J'ai trouvé le document de recherche du folkloriste dans l'armoire. Ma manette est en train de vibrer. Pourquoi tu vibres, manette? Le mystère de l'armoire et du puits. Pourquoi tu vibres? Ma manette est en train de vibrer. Je vous mets sur le micro et écoutez. Ouais, ça vibre. Mais ça vibre gentiment, genre... Brrr. Brrr. Le mystère de l'armoire et du puits de la lune. Le puits de la lune, dans le sanctuaire de la lune, est caché par un mécanisme piège. L'armoire se déplace et permet l'accès au puits de la lune après exécution d'une certaine opération. Mais je ne sais pas comment ça marche. Ah bah merci, merci. Il n'existe qu'une description vague des dispositifs. Obtenez les symboles des quatre tireurs de cordes et révélez le sceau du chef famille Imuro. Cela doit signifier que l'ouverture de la porte requiert que les symboles soient portés par les quatre prêtres présents à la cérémonie ainsi que le sceau de la famille Imuro. Deux secondes. Non, je croyais qu'on m'appelait. Si on m'appelle, j'entends pas parce que j'ai un gros casque. Toutefois, la famille ayant désormais disparu, il est impossible de savoir comment obtenir les symboles ou le sceau. Ok. Ok. C'est pas ça. Ça, d'accord. Là, je vois où c'est. C'était là où il y avait les masques. Dans l'épisode 2, on a vu ce machin. C'était là où il y avait les masques.
Putain, pour repartir à là, là. Je crois que c'était là. Non. Ah, purée, je sais même plus où c'est, quoi. Bon. Je sais pas si c'est là. Attendez, deux secondes que je me remette là, parce que purée. Attends. Le truc qu'on a vu, c'était avec les masques. Oh purée, je sais pas. Bon, oh là là. Attends, je connais plus le manoir ou quoi? Ah si. Non, ouais. C'est ici ça. Ouais, c'est ici. Ah c'est ici ça. Ouais. Alors pour aller ici, là, on sort, on passe par le salle des Bouddhas. Et voilà, c'est pas si loin que ça. Moi, je suis en train de me faire paniquer pour rien. En plus, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait appelé. Du coup, je vous dis pas comment je flippe. Je suis pas tout seul dans la maison, ça c'est sûr, je sais. Mais je retire le casque et j'entends rien. Enfin, peut-être que vous entendrez via le micro éventuellement qu'on m'a appelé. Bon, tant pis. Si jamais on m'appelle vraiment, on tapera à la porte et puis voilà. Et là, ça fera flipper vraiment. Alors, comment s'appelle le truc déjà? Jardin carré. J'ai souvenir que c'était dedans. J'ai en profité d'ailleurs pour sauvegarder. Je vais pas faire le cliquer. Je fonce dans le mur, moi. Hey, où est-ce que tu vas, Miku? Dehors, en fait, il y a... Ah, voilà, il y a la sauvegarde, là. Je vais juste sauvegarder d'abord, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. L'ambiance quand on est dehors, quoi. Wouah. Voilà. Il y a quelque chose à ramasser par terre, mais... Il y a un gros fantôme qui nous a attaqué, sa mère. J'ai appuyé comme Atari sur triangle. Je vous préviens. Ah, mon Dieu, c'est quoi ce machin? 74, j'en ai rien à cirer, je fais 74. Hey! Attaque! Ah! Oh merde, j'ai raté quand il m'a attaqué. Wow! Monte ta tête! Bâtard! Ah ah, je vais t'avoir! Oh, il est faible! Je vais économiser quand même du film 74, pas déconner non plus. Voilà. Et combo parfait, c'est quoi ce machin? Un autre endroit apparaît sur un... Je suis désolé, c'est pas un endroit ça. C'est pas un endroit ce machin. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un sigle sur le machin. Bon. Ouais, donc le chapitre s'appelle Calamité, hein, n'oubliez pas. D'accord, monsieur. Bon, bah, il est toujours en train de faire tout un fromage pour rien, lui. Il dit, ouais, tout le monde va mourir. Le rituel a échoué. La malice s'est déversée sur le manoir. Le maître m'a perdu la raison. Qui aurait pu imaginer que la calamité s'abattrait? Calamité, pas calamité. Tout est fini maintenant. Impossible de dire ce qu'il se passera si l'on ne trouve pas le moyen de sceller cette porte avant qu'elle ne s'ouvre complètement. Ouais, comme je vous ai dit, il fait tout un fromage pour rien. Bon. On va aussi faire par rapport à ce que je me souviens, parce que je me souviens que j'avais galéré à mort à ce moment-là. Il faut aller... ouais, je crois qu'il faut aller par là. Il faut aller au... C'est ça. Au sanctuaire. Donc on va aller au sanctuaire, les amis.
D'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qui va nous indiquer qu'il faut aller au sanctuaire. Non, rien. Mais c'est pas grave, faites-moi confiance, on va aller au sanctuaire. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut aller au sanctuaire. On va repasser par là, on va tout faire le chemin. Parce qu'on est des grands, on n'a pas peur. Est-ce que de là je peux accéder au sanctuaire? Ouais, c'est bien ça. Mais quelle perfection, Stéphane! Et là, on arrive là-bas. Bon. Bah non, c'était pas le sanctuaire finalement. Si je crois que c'est le sanctuaire. Ah, 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 mon dieu! Quel enfoiré! Oh mon dieu, ils sont deux! Je m'en fous de ce que c'est là-bas, je ramasse pas! Ah mon dieu! C'est quoi ces machins? Bon. Je sais pas ce que c'était. Ah non! Non, je vais pas les attaquer. Je vais les laisser tranquilles. Je vais les laisser, je vais les laisser. Quoi? Oh, je suis obligé de les combattre, je suis obligé de les combattre. Oh non, je suis obligé de les combattre. J'aurais dû sauvegarder, j'aurais dû sauvegarder. Je vais faire un truc là. Ah, c'est le plus c'est un des plus puissants. Non! Ah! J'en finis avec un. On sera plus rapide avec l'autre comme ça. Wow. Pourquoi il m'attaque à deux? Sans déconner. Ils sont à deux quoi. Et là. Il est chiant lui, il se téléporte. On va économiser encore un petit peu. Il me reste que 15 maintenant à cause de ces deux bâtards. Voilà. Dans ta face. Oh, ils m'ont fait peur eux là. Franchement, ils m'ont fait flipper là eux. Eux, ils m'ont vraiment, vraiment fait peur. Je pensais vraiment que j'allais mourir. En fait, dès qu'il y en a plus d'un et que les deux sont relativement rapides, ou alors qu'il y en a au moins un qui soit rapide dedans ou qui se téléporte, c'est chaud. Ah, merci. Merci beaucoup. 37, c'est pas le meilleur, ça. Ah, c'est pas le meilleur, c'est celui dont je me suis équipé, là. Bon, bah, c'est déjà ça. J'ai 88 type 37. Donc, on va se mettre à utiliser les types 37 et non pas les 74. Parce que sinon... pour le chapitre final, je sens que je vais galérer. Donc en vous disant, je crois que c'est l'avant-dernier chapitre hein. Voilà, je vous dis ça comme ça. Oui, il n'y a pas beaucoup de chapitres dans ce projet 0, mais c'est... Hein? Quoi? Malice âme perdue, d'accord. Ah merde, je me suis impu. Ça change à chaque nuit en fait. Donc c'était quoi déjà? C'était dossier... c'était la calamité. Voilà. Donc, la malice, c'est 1347. Donc, 1, 3, 4, 7. Donc, 1. Sachant que c'est à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Tada ! Du premier coup. Quand on comprend les énigmes dans les jeux, ça marche mieux. Allez. Je me souviens bien, il y a une sauvegarde là, donc on va tout de suite aller sur la sauvegarde parce que je viens de combattre quand même des ennemis relativement chiants et j'aimerais pas mourir par autre chose plus tard et devoir recombattre ces deux kékés qui m'ont bien fait chier.
Y a une petite fille qui m'attaque là, non? Non? Non, ça c'était dans les anciens épisodes, ça, dans les premiers... Pas premiers épisodes, mais... Avant, c'était avant. Mais là, je suis content, j'ai sauvegardé, je suis tranquille. C'est le bon chemin, là? Ah, c'est le bon chemin. Enfin, j'espère que c'est le bon chemin. Je sais même pas où je vais, quoi. Je fais par rapport à mes souvenirs d'il y a... deux ans, je crois. Ça fait deux ans que j'ai pas touché à Projet Zéro. Le jeu a pas super bien vieilli. C'est pas super bien vieilli, non. Je veux dire, le jeu a pas vraiment vieilli. Il est beau. Pierre miroir. Donc, j'en possède déjà un. Ça, c'est lorsque vous mourrez, ça remonte tout seul. Ici, c'est... Oh, merci! Merci! Oh, c'est trop d'honneur. Trop d'honneur, merci beaucoup. Ta-da-da! Il y a un truc là, ça vibre. Il y a un truc, il y a un truc par ici. Mais moi, ce que c'est? Attends. Ah! Ta cabine! Et t'es déjà mort, toi! Et non, y a rien à faire ici en fait. Sérieux, y a rien à faire ici? Bah, pourquoi je... Pourquoi je devais revenir ici, moi? Purée, je me souviens plus de rien, là. Je me souviens plus de rien du tout. C'était peut-être pour les trucs... Wow! Wow, 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 wow! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille! Bande de bâtards, laissez-moi tranquille! S'il te plaît, la porte ouvre, toi! Oh, merci! Non, je veux pas les combattre! Je veux pas les combattre! Si c'est pas utile de les combattre, je vais pas les combattre! Bon, ouais, les amis, je suis un peu dans le caca! Je sais plus du tout où aller! On va repartir peut-être à l'entrée. À l'entrée peut-être. Je crois qu'il y a sûrement un truc à l'entrée ou alors à la salle détruite là. Quand je dis la salle détruite, c'est pas la salle avec des poissons. Hein. Genre ça, c'est pas la salle détruite. Hein. Eh mais attends, il y avait un combat obligatoire ici. Ça veut dire que j'étais sur le bon chemin. Il y a un truc chelou là. Un truc chelou. Ouais, j'ai la salle détruite parce qu'il y a de l'eau, donc c'est une salle à être détruite dedans, quoi. Je pense que vous avez compris la blague de merde que je... Casse-toi, 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 Miku. Casse-toi. Ah, il me suit. Bordel de merde, il me suit. Pourquoi il me suit comme ça? Laissez-moi tranquille! Ah, enfin. Excusez-moi si j'ai soufflé dans le micro là, mais. Ouh! J'allais profiter pour aller sauvegarder dans la salle juste là. Dans la salle des trucs, comme je vous disais. Parce que je crois qu'il faut peut-être aller soit à l'entrée. Soit donc soit à l'entrée. L'entrée c'est là. Donc on va essayer d'aller à l'entrée. Donc il faut passer par là. Ouais, faut passer par là. Attendez. Ouais, faut passer par là. On verra bien, on verra bien. On passera par où on pourra. Parce que normalement en fait ce qu'il faut faire. Attendez, on va repartir au truc lunaire là. Hey, qu'est-ce que tu fais, Miku? On va repartir dans la salle là. Parce que je crois que le truc c'était de... J'ai combattu un prêtre pour avoir un machin. On est d'accord? On va repartir là-bas parce que là, le jeu est chelou. C'est pas ce qui est censé se passer.
vais essayer un truc là. J'ai tué un prêtre qui m'a attaqué, le truc qui m'a attaqué là. Pour pouvoir entrer ici. D'accord. Et il m'a donné un truc. C'était ça, non? Ok, il se passe rien. Non, c'était pas ça. C'était ça. Qu'est-ce qu'il y a, Sergi? Voilà, mes amis. Voilà. C'est ça d'aller n'importe où. N'importe où, on sait pas où on va. Ça, c'est là où on était. Et voilà, mes cocos. Moi, j'y suis allé par rapport à mes souvenirs. C'était pas une bonne chose à faire. Je savais qu'il fallait certainement... Attendez, il y a peut-être autre chose là-bas. Non? Voilà, il y a encore autre chose ici. Regardez ça. Ok, 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 ok. Voilà le truc. Et là, ici, il y a encore autre chose. Ça, par contre, je sais pas où c'est. Ah si, ça, je sais où c'est. Ok, ok, ok. Eh ben voilà, les coucou. Eh ben voilà. En fait, lorsque j'ai photographié le premier truc, on nous a montré quelque part. J'y suis allé. J'ai tué un prêtre, ou un moine, je sais pas. Et ça m'a donné un caractère. En l'occurrence, ce premier... Ah, il y a un truc ici. En l'occurrence, ce premier caractère que j'ai appuyé dessus. Il y avait donc la mère de Miku apparemment. Donc j'ai appuyé sur le bouton. Et là je vais aller faire ça avec un autre. Parce que je pense qu'il y a encore un autre. À tous les coups. À tous les coups. La dame attachée, c'est ça? Ah non, Hirasaka. Moi c'est elle, la dame attachée. Il y a sûrement un truc ici. Et du coup je vais combattre encore un autre machin. Donc les amis, je vais préparer. J'ai pas préparé la main pareil. Je suis pas non plus... Kéké à ce point d'aller combattre sans changer. Est-ce que c'est bien là-bas? Je crois que c'est bien là. J'ai pas qui riait, monsieur. Wow! Ah ah, dans la gueule! Oh, il est moche! Il va m'attaquer, il va m'attaquer! Wow! Ah, lâche-moi! Vas-y, attaque! Monte ta tête, monte ta face! Il monte pas sa tête, quoi! Wow! 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 Voilà, voilà, wow, wow, hey, calme-toi, calme-toi, calme-toi! Oh, purée! Mais ils sont chiants! Où est-ce que je vais trouver des plantes médicinales, moi? Allez, monte ta face, monte ta face! Voilà! Dans ta gueule! Donc, petit point en haut, zigzag et bah, je vais vers le bas. Ok. Petit point en haut, zigzag, je sais pas comment c'est ce que ça veut dire, mais je m'en fous! Je m'en fous. Nous avons suivi les ordres du maître et caché l'invité Jedi à Kirie qu'il était rentré chez lui. Nous devons transporter le corps très loin afin que Kirie ne découvre jamais la vérité. Oh, c'est encore une histoire à la projet 03, projet 04. Hein. J'ai bien eu pitié du pauvre jeune homme, mais que pouvais-je faire d'autre? En tant que prêtre, il est de notre devoir de protéger la Vierge du sanctuaire des corps à tout prix. C'est encore une histoire là au 3, comme le 3, comme le 4 en fait. C'est quasiment la même chose, j'ai l'impression.
On va aller au sanctuaire. Pour être sûr, je vais tout de suite enclencher le mécanisme. Et après, on ira aux deux autres endroits qu'on a vu sur la photo. Mon petit point vers le haut et... Ah, elle a plus peur maintenant. Elle a plus peur des éclairs. C'est bien, Miku. Ouh, je suis légèrement fatigué, là. Alors, je sais plus si c'était là. On s'en fout, on va bien voir. Hein. On va activer et puis voilà. Donc, c'était le troisième. Ah non, c'est pas ça. Donc, j'ai pas encore combattu celui-là. Voilà. Et voilà. Super. Donc, il y a encore les deux autres à activer. Donc, il y en a un là où on était parti tout à l'heure. J'y suis allé pour rien tout à l'heure. C'est n'importe quoi. Alors que j'aurais dû simplement d'abord prendre en photo et ensuite aller là-bas. Attends, il n'y a pas un truc ici par rapport à ici? Voilà. Il va m'attaquer là. Ah! Montre ta tête! Ne m'attaque pas! Ah! Oh merde! Ah ah! Dans ta face! Allez, encore, encore un. Non! Oh putain! Alors, un petit style simple, une petite merde comme ça, ok, d'accord. Quand un fantôme meurt sur vous comme ça, là, ça fait flipper, sérieux. N'empêche que les voix des fantômes sont assez bien faites en anglais aussi. Mais la version japonaise fait vraiment, vraiment, vraiment flipper. Tata. D'accord, c'est de l'autre côté alors. C'est de l'autre côté. Et le dernier se trouve bah, là où j'étais tout à l'heure, hein, dans l'espèce de jardin. Celui-là, voilà. Il reste le dernier. On va aller voir le dernier. Je vais quand même sauvegarder au passage en arrivant tout à l'heure là-bas parce que je ne veux pas non plus trop risquer ma vie. Je veux dire ma santé mentale réelle parce que si je meurs là, les amis, franchement, bon, on recommence pas trop longtemps. On recommence pas de trop longtemps, mais refaire tout ça, se retaper tout ça, ce serait chiant. J'entends un ennemi coup faire coin, 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 coin avec ses pieds là. Ouais, c'est là-bas. Non, maintenant je connais le manoir quasiment par cœur. Je sais comment accéder, à quel point, comment, où ça, quel endroit. Même si ça fait presque un mois que j'ai pas joué, je pense, là. Bah voilà, je retrouve le chemin. Ah, il est encore là. Lâche-moi. Lâche-moi. Oh putain, il est moche, c'est le gars long bras. Quoi? Lâchez-moi, franchement! S'il te plaît, porte, ouvre-toi! Ouvre-toi! Oh, merci! Quoi? Il peut m'attaquer là? Il a pu m'attaquer. J'ai plus de vie, j'ai plus de médicaments médicinales, j'ai plus rien! Merde! On va commencer le chapitre, le dernier chapitre avec rien? C'est pas possible. Ça veut dire qu'il va falloir bien jouer, les amis. Il va falloir bien jouer là. Ouais, c'est ce type là que j'ai déjà. Il y a un autre. Ah voilà, c'est là. C'est celui-là. C'est ça. Non, c'est pas là. Voilà, il y a un. Où est-ce qu'il est? Arrête de cacher ta tête! Ah!
Surtout qu'il est moche lui. Oh, il va m'attaquer. Ah ah, tiers zéro. Ah, mais finalement quand on joue bien, vous voyez quand on joue bien. Donc alors symbole tata 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 comme ça, d'accord. OK. J'ai fait... La musique m'a fait croire qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la pièce vraiment. Là où je suis. Donc je vais aller sauvegarder parce que j'ai fait une partie trop... un combat trop badass. D'accord. Allez, on va enfin y aller. Ah, parce que c'est le dernier truc à rentrer, hein. C'est le dernier truc à rentrer là, le dernier code. Je me souviens plus de la gueule du truc, mais on va quand même appuyer dessus. Ça me reviendra quand on arrivera devant le machin, je dirai ah bah c'est celui-là. Ne m'attaquez pas, s'il vous plaît, je vais mourir sinon. Ils sont plus là. Ils sont plus là. S'il te plaît. Ils sont plus là, hein. Oh, ils sont plus là. Parce que le pire, c'est qu'ils m'attaquent même si je suis planqué, quoi. Ça, c'est... C'est horrible. Et j'ai plus de plantes médicinales. J'ai plus rien. J'ai que de l'eau sacrée. Ça permet de remplir ma vie. Ça permet juste de remplir ma vie une fois. Je vais l'utiliser, ça c'est sûr, j'en ai 5, donc autant l'utiliser. Mais bon, voilà. J'aurais aimé ne pas avoir à l'utiliser. Et utiliser des plantes médicinales. Après, on verra si je peux augmenter la quelques capacités de ma caméra obscura. Par contre, j'ai pas vérifié s'il y avait un truc qui était genre un journal, vous savez, comme... Ah, voilà, il y en avait un, j'ai pas pris le journal, quoi. Et l'autre aussi j'ai pas pris, bon on s'en fout. Kyrie se comporte bizarrement depuis qu'elle a rencontré le jeune homme. Je n'ose croire qu'elle est attirée par lui. Et si elle devient trop attachée à ce monde à cause de lui, elle risque de perdre ses qualités de vieillard du sanctuaire. Et nous devons agir vite. C'est des enfoirés quand même les gars qui séquestrent une pauvre jeune fille. Plus peut-être que c'est la vierge du sanctuaire des cordes. N'importe quoi, c'est une personne vivante. Enfin, qui était vivante. Alors, je crois qu'il reste que là, non, c'est ça? Non, c'était de l'autre côté. Ah, non. Je crois que c'est ça. Ah! Tout est ouvert. Ah, voilà. J'aurais pu tout faire d'abord et ensuite venir tout appuyer, mais bon. Et là... Quelque chose est retiré... Quoi? Quelque chose est retiré au milieu? A été retiré au milieu. Attendez. Changer de film. Parce qu'on va pas utiliser un film puissant juste pour prendre une photo. Je veux dire juste pour prendre une photo pour un événement quoi. What the fuck? Un liquide rouge se déverse du trou du piédestal face à l'armoire. Ah, il y a encore. D'accord, une traînée de sang. D'accord. Bah ça arrête là. What the fuck. Ah là-bas. On va suivre, hein. Meilleure affaire, non. Des taches rouges comme du sang, le long du couloir en bois. Non. S'il te plaît, arrête de me suivre. Arrête de me suivre. Ah! Saloperie, saloperie. Je vais lui défoncer sa mère, tu vas voir. Je vais aller sauvegarder, mais je vais lui défoncer sa race. Petit fantôme de merde. C'est vraiment un petit fantôme de merde en plus, hein. Viens, viens. Tu téléportes devant moi. Voilà, c'est ce que tu mérites.
On va les sauvegarder, juste à côté, c'est juste à côté. Après on verra pour le sang et tout le tralala. C'est juste à côté les amis, on va les sauvegarder. Ah du sang, mon dieu. Sauvegarde vite Stéphane. Il n'y a pas intérêt à avoir un fantôme dedans hein. Ah voilà. Il n'y a pas eu de fantôme, donc on va avancer, on va continuer. Et si jamais on meurt, c'est pas grave. On revient là. Allez, trace de sang. Purée, c'est quoi ces fantômes qui apparaissent comme ça là, qui viennent t'attaquer? Des traces de mains, vous voyez? Là. Je sais pas s'il y avait ça avant. Il n'y avait pas ça avant, si? Regardez, ça va jusque là. Il y en a ici aussi, il y en a partout. Il y a un truc ici. Miroir en pierre, on en a suffisamment. Regardez ça, les traces là. Les traces elles continuent. On va suivre les traces de sang. Ah, Seigneur. Allez, on y va. On prend son courage à deux mains et on y va. Purée, regardez-moi ça. Une grosse flaque de sang au milieu de la pièce, sans déconner. Ok, je pense que c'est un gros boss. Je pense que je peux utiliser ça sans paraître pour d'être un kéké. Où est-ce qu'il était? Ouais, c'est un gros boss. Oh putain, ça lui fait rien! Wow! Et t'as vu, ça, c'est utile le... Le truc, il cherche le fantôme pour moi. Wow! Haha! Oh là là! Ça t'a défoncé la gueule, ça. Dans ta face! Bon, j'ai utilisé un film très puissant. Je pense que j'aurais pu ne pas l'utiliser. J'aurais pu ne pas l'utiliser, ce film super puissant. J'aurais pu le garder pour le boss final du jeu. D'accord. Comme tu voudras. Il y a quelque chose par terre là où se trouvait le fantôme. Le sceau du maître. Yeah! Ah bah oui, il fallait ça pour activer le dernier machin. Si ça c'est pas un troll ça les amis, il me donne du film 14 quoi. Allez, on va remettre le 14. Parce que là j'ai repris confiance en moi. Je suis... Il y a un truc qui fait vibrer ma manette. Je sais pas où c'est, pourquoi ça fait vibrer ma manette. Mais il y a un truc qui fait vibrer la manette. Quoi? Ah non, c'est là. C'est là, c'est en haut. C'est là, il y a un truc là. Ah, j'ai utilisé... Ah d'accord, en bas à droite, vous voyez, il reste plus que 3. J'ai utilisé tous les... j'ai utilisé tous les trucs pour le fantôme. Moi je me suis dit, tiens, c'est un truc qui finit pas ça. Chef de famille. Si ça se finit, ça se finit. Et moi j'ai consommé ça comme un kéké. Je sais même pas comment on re-remplit ça. Alors là il faut repartir. Ouais, sur la porte de... là-bas. Non, là. Là même. Je suis sur la bonne voie. Donc on va repartir, on va activer le... l'espèce de truc dans l'espèce de sanctuaire là. Faut pas oublier qu'il y a une pierre ici. Une pierre de résurrection. Comme dans Harry Potter. Ah, c'est là-bas. On va les sauvegarder quand même. Hein, on vient de faire un combat assez violent. Je vais sauvegarder sur un autre slot parce que j'ai quand même utilisé beaucoup... le truc en bas à droite, si jamais ça ne remonte pas, comme ça je pourrais charger à partir de là. Donc à partir de là, oui, je me coupe pendant que je parle. Donc je pourrais éventuellement recommencer à partir de là pour essayer de récupérer mes trucs en bas à droite là, vous voyez les... Ah non, pas ça.
en bas à droite. Il reste plus que 3. Et j'aimerais bien pouvoir récupérer le maximum pour combattre les boss finaux, on va dire. Allez, on va l'activer ce machin. On va rentrer dans le sanctuaire de la lune. Je crois que c'est ça, sanctuaire de la lune. Sans se faire attaquer. Putain, c'est le truc rampant. Bah tu peux ramper, vas-y, rampe, hein, amuse-toi. Fais ce que tu veux, moi je me barre. Non, 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 je vais pas te combattre. Je ne vais pas te combattre. Ah! Saleté. Dis pas que c'est un combat obligatoire, s'il te plaît. Ah, c'est pas un combat obligatoire. Voilà. Et puis là, j'ai eu peur, j'ai entendu un petit... Allez. J'ai entendu le son du maître dans l'ouverture. Et voilà, c'est le fameux puits donc dont on parlait pour rentrer dans je sais plus où. Au début d'épisode. Donc c'est le fameux puits que la Vierge, le chemin que la Vierge emprunte apparemment. Alors là, je sais pas pourquoi, mais je sens un combat de boss sa mère. Ah! Un miroir! Un crâne, oui, d'abord. Et surtout, un morceau miroir. Donc, je vous rappelle que c'est ça, c'est ça. Oh! Avant d'aller miroir, je vais voir s'il n'y a pas autre chose à voir avant. Ah, il sauvegarde! Merci, merci! Après, je dis merci, merci, mais merci parce que en même temps. Alors, ici. Porte est fermée, je pense. Ouais, ouais, elle est verrouillée. Merci, merci, mais en même temps, ouais, comme je vous disais, s'il y a une sauvegarde, ça veut dire qu'il y aura une grosse merde pas loin. Bon, une momie de femme est enchâssée dans le creux de la pierre. Le miroir sacré est sur une pierre en face de la momie. Il y a un renfoncement dans la pierre. Quelque chose a été déplacé. J'ai presque tous les morceaux du miroir sacré. Wouhou! Et c'est Kyrie, mes amis. Je vous présente Kyrie. Et ouais. C'est bien, les coups c'est que c'est Kyrie, quoi. Vous savez, je suis sûr que ce sera... Si je me souviens bien, ouais, c'est encore un truc du style... Elle se fait attaquer, mais il se passe rien. Mais à la fin, faudra bien la combattre, cette Kyrie. Ça va t'apprendre à monter doucement, Miku. Stop me. Je me souviens plus de l'histoire là. Je me souviens plus de l'histoire. Bon les amis, c'est la fin de ce troisième, je crois, oui, troisième chapitre, si on compte pas l'intro. Donc quatrième si vous comptez l'intro. Bon bref, quatrième vidéo. Rendez-vous donc pour la prochaine vidéo, donc la dernière, le final, l'épisode final. Je sais plus comment ça s'appelait l'épisode final. Voilà, rendez-vous la prochaine fois. Je sais pas encore quand je vais faire ça parce que les épisodes de Projet Zero sont relativement longs. Il faut que j'ai le temps de les faire. Mais je vous ferai ça le plus vite possible pour qu'on puisse ensuite passer sur Projet 02. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Voilà, bonne soirée ou bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous aurez regardé cette vidéo super longue. Et rendez-vous pour la prochaine fois. Allez, je vous redis encore bonne soirée. Mais c'est dur de vous dire au revoir parce que je ne veux pas vous quitter quoi. Bon voilà, bonne soirée et au revoir et amusez-vous bien. Et si jamais c'est bientôt Noël, joyeux Noël, bonne année et tout ce que vous voulez. Ciao.